Donc, me revoilà. Bonjour tout le monde, ici Pierre Pofkissé pour un autre épisode de Elder Scrolls Online. Et en gros, on va chercher quelqu'un. Conseiller Narion. Qui se trouve à être là. Okay. Je suis occupé. Des guerres pissées. Je viens de la part du capitaine de la garde Astania. Dans ce cas, vous ferez l'affaire. Mon serviteur a suivi un voleur jusqu'à son entrepôt. Ce fripon ignare a dérobé les plans de déploiement de soldats prévus pour le discours de la reine. Pourquoi un voleur déroberait-il ce genre de document? Comment pourrais-je le savoir? Je ne suis guère voleur. En tout cas, nous ne pouvons pas laisser ces documents dans la nature. Ils pourraient servir à contourner les services de sécurité de la reine. De toute évidence, ce n'est pas souhaitable. Je m'en charge. Je vous en prie. Oui. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Oh oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ours, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu comme moi, là. Il est décédé. Alors, avez-vous trouvé des plans? Je les ai trouvés, mais le cambrioleur était déjà mort. Oh, dommage. Gardez les plans. Vous pourrez les donner au capitaine quand vous la verrez. En attendant, je dois m'occuper de la reine. Ce cambrioleur mort ne vous inquiète pas? Oh, une sorte de querelle de criminel. J'en mettrai ma main à couper. Maintenant, s'il vous reste des choses à faire, vous devriez vous en charger. Je dois aider l'intendante Emenwe, savez-vous où elle se trouve? Ai-je l'air d'un assistant de l'intendante? Me prenez-vous pour un roturier? Non. Mais en effet, je sais où elle se trouve. Entrepôt Est, au nord des quais. Allez-y. Merci, enfin, je crois. Petite fendant de marde. Venez! Venez faire affaire ici! Je suis désolée. Je ne peux pas vous aider pour le moment. Je suis très occupée et il reste encore beaucoup à faire. Je viens de la part du capitaine de la garde Astania. Oh, très bien. De quoi s'agissait-il? Ah oui, les provisions. Deux de mes cuisiniers sont tombés subitement malades alors qu'ils préparaient le festin de la reine. Je soupçonne quelque chose. Je veux m'assurer que nos provisions de nourriture sont saines. Vous paraissez préoccupée. Que voulez-vous que je fasse? Je ne suis pas soucieuse, pas le moins du monde. Je vais vérifier les provisions. Pendant ce temps, allez à l'entrepôt, c'est la porte juste à côté. Vérifiez que tout est frais et que rien n'a été déplacé. Je vais aller voir pour vous. Bon, bon. Ce tonneau ne contient pas de pommes, mais là, on a l'air... Ne conseille que des pommes, elles ont l'air fraîches et leur odeur le confirme. Ok, des bonnes pommes fraîches, il n'y a pas de problème ici. Cette balle de cargaison contient de la soie et d'autres tissus richement brodés. Ok. Frimos, tu veux des câlins? Ça tu veux? Cette caisse est remplie de divers fromages venus de profondeurs du bois de Garte. C'est difficile à dire avec le fromage Bosmer, mais rien n'a l'air contaminé. Quel de fromage qui s'en arrive là, cette chiasse. Cette caisse contient des épices de soie à part l'odeur forte. Rien ne semble anormal. Ok. Ce tonneau est rempli de vin clairet. Son odeur est parfumé. Ok. Ça va bien, ça va bien. Viande empoisonnée. Oh! Quelque chose de pas correct. Restez là! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'attaques! Éteins ici! Mon ours t'a arrêté avant que tu viennes me pogner dans le dos. Hein.
pas aimé ça. Merci, ours. Ours. On va t'appeler Winnie. Winnie the Pooh. Avez-vous trouvé quelque chose? J'ai trouvé de la viande salée. Je pense qu'il est empoisonné. Loué soient les astres, vous avez trouvé. Gardez ceci précieusement. Cette pièce à conviction intéressera le capitaine. Un homme et un uniforme m'a attaqué. Un uniforme? Ce doit être un coupe-jarret. Il traîne tout le temps près des quais, à l'affût d'une caisse de marchandises à dérober. Soyez prudente en vous baladant dans le coin. Je donnerai les preuves au capitaine quand je la verrai. Parle au capitaine de la garde, Astania. Dites-moi ce que vous avez découvert. J'ai trouvé cet ensemble de... Bien, écoutez, je n'aime pas vous bousculer, mais j'ai une autre tâche à vous confier. Eldil, un de mes hommes, a coincé un malfrat non loin de là. Nous devons parler à ce rebut de l'humanité. Qu'a-t-il fait ? Pas le temps pour ça. Il est impliqué dans un complot contre la reine, c'est tout ce que je peux dire. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous pour lui délier la langue. Il refuse de parler à un membre de la garde. Vous voulez cette preuve que j'ai trouvée ? Gardez cela pour l'instant. Eldil est un peu plus haut, la maison sur la droite. Allez, et n'oubliez pas, toujours au service de la reine. Pour la reine, je trouve ça un petit peu bizarre, mais... Qui suis-je pour juger, hein? Qu'est-ce qui se passe, Seth? Ah, ils se battent. Ah, Seth. Veuillez reculer, s'il vous plaît. Nous avons une situation à gérer ici. C'est votre capitaine, m'envoie, vous avez besoin d'aide, paraît-il. Ah, de l'aide du capitaine. Parfait. Nous avons attrapé un dangereux intrus. La couronne le veut. Il détient des informations précieuses et menace de se tuer à chaque fois que nous approchons trop près de la porte. Que voulez-vous que je fasse ? Il faut le capturer vivant. Entrez et faites-le parler. N'écoutez pas ce qu'il raconte. Il est à demi aliéné. Vous le faites parler et nous intervenons après vous. Est-ce compris ? Cambré. Reculez. Encore un pas et je me tranche la gorge. Je ne fais pas partie de la garde, je veux simplement Pourquoi discuter. Pourquoi vous prêche confiance? Vous voulez vraiment mourir? Je suis votre D'accord. dernier espoir. Très bien. Mais ne tentez rien. J'entre. Vous n'êtes pas une garde. Loué soit les étoiles. Vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Du temps? De quoi parlez-vous? Ils arrivent. Vous n'êtes là que pour détourner l'attention. Écoutez attentivement. Le capitaine Astania est corrompu. Elle est membre d'un groupe, l'héritage voilé. De quoi? L'héritage voilé. Ils vont tenter d'assassiner la reine au temple. Oh, ils ont soudoyé des membres de son personnel afin de déplacer le lieu du discours ici même. Là où ils ont le capitaine dans leur poche. Pouvez-vous fournir des preuves? Non. Seulement ce que j'ai vu et entendu. S'il vous plaît, vous devez avertir la reine. Elle court un grand danger. Et les gardes ici... Oh non! Quel problème? Beau travail, citoyenne! Oh shit. Traître. Vermine! La ferme! Je vous arrête! Je ne vis... que pour servir la reine. Mais bien sûr. Farita, allez. Avec plaisir. Beau travail. Qu'allez-vous faire de lui? Ne vous inquiétez pas. Son procès sera équitable. Les jugements du capitaine sont toujours impartiaux. Je dois lui établir mon rapport, j'imagine. Jolie prise. Nous veillerons à ce que cet homme soit mis derrière les barreaux. Avec respect, bien entendu. Complet la caisse. Je dois admettre que je suis impressionné. Vous avez du sang-froid, aussi glacé que les écailles d'Auriel. Bonne chance avec le capitaine. Savez-vous où je pourrais trouver le capitaine? Elle nous a fait savoir qu'elle veillait sur la reine. Elle doit se trouver au manoir. Puissent les étoiles guider vos pas. Je m'en vais trouver le capitaine. Ok, on va faire un level up! 14. On gagne quoi? Justice.
crochet, grâce falsifiée, retire 500$ de votre prime actuelle et annule les poursuites en cours. Déblocage de recherche de donjons, creuset des aînés. Nice. Mieux ça. Assigner à la place de quoi? À la place des oiseaux? On va essayer. Alors, dis pas que ça va être bon, hein. Le capitaine. Attendez, je dois vous parler. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais mieux faire le donjon avant de continuer ce bal. Par exemple, je vais switcher pour... Creuset des aînés numéro 1. Lorsque les Aileides qui adoraient les Dédra furent chassés de Cyrodiil après la rébellion des esclaves d'Alésia, bon nombre de clans d'elfes des bois se réfugièrent dans le Val Boisé. Un des principaux reçut le droit de creuser des quartiers d'habitation sous Fanracine même. Ok. Je suis prêt. Ça va vite dans ce cas-là? Frifri fait dodo. Ça doit être une affaire événement mondial. Le creuset des aînés 1. Ça doit être une forêt, celle-là. Parle au capitaine de la garde. Est-ce que je dois activer une quête? Je comprends pas la... Tout le monde est parti là-bas? La part. Les amis, je suis jamais. Y a-t-il une quête, faut activer quelque chose? Ok, faut parler à elle. Nous avons réussi. C'est ce que j'en ai. Wow! Aidez-moi! Ah.
rien. Okay. Ils sont partis où tout le monde là? Ok. Halt! Vous n'irez pas plus loin! Mettez-y le feu! J'ai besoin d'aide! Allumez ça! Enflammez-moi ça! On a un boss, je pense. Aska Gramal. What the fuck? Pas trop les scarabées hein. Bien combattu. Cet hôtel rituel est des plus étranges. Détruisons-le. La conception de cet hôtel suggère des sites rituels complémentaires. Je vous parie une tourte à l'anguille qu'il y en a d'autres. Ouvrez le chemin jusqu'à l'hôtel suivant. Le donjon en tant que tel. Oh, ronce et feuille. Je pense que sa vie est comme reliée avec les petites. Faut tuer les petites.
Nice. Moi je vous suis parce que j'ai aucune crise d'idée où qu'on aille. Vous les orques, vous êtes doués pour creuser la terre. Oh, on a un autre méchant. Jeez, est-ce qu'il y a du stock? On va où, là? Quelqu'un par hasard? Nécromancienne, ça. Annette a donc entièrement vendu son âme. Le Talmor en sera contrarié. Bakara, regardez. C'est ce que vous craignez. Le rituel est terminé. As-tu fini? Ouvrir le chemin vers l'hôtel suivant. Genre là. Du bon travail. Quand on veut faire un ragoût, il faut bien vider quelques poissons, pas vrai? Et maintenant, venez, détruisons cet hôtel.
Il fallait détruire l'hôtel, nous autres on est partis comme des caves. Je ressens encore une forte présence magique. Il doit y avoir un autre hôtel. On l'a mal fait. On a mal fait la quête. Lui est parti tout de suite. On a mal fait ça. On a fait le boss final, après ça on a... Ok. Et voilà. Je me pose. Dracien. Ce qui arrive quand tu te dépêches comme un cave, tu scrapes les quêtes. Bravo. Oh. Faut qu'on le fasse dans l'ordre. Comment tu fais pour ouvrir le chemin? Deux hôtels brisés. Et je sens... Dracien, je me pose... Dracien, crois que... Ok. Il a fallu qu'on fasse la zone avant de tuer le boss. Les autres ont tout été vite. Deux hôtels brisés. Et je sens encore la magie de la chanoinesse. Je me pose aussi la question. Dracien croit que... Je me pose... Deux hôtels... Dracien croit que... Je me pose... Bon ben fuck off, esti. Y'a rien à faire, là. Je veux dire, faut que je recommence le petit donjon, là. Ça fait chier, ça. Quand le monde sont assez trop cave pour faire ça tranquillement, il y a mieux courir comme des estites perdus. Qu'est-ce que j'aille ça? Moi, je fais sortir d'un estite donjon, là. Social. Groupe. Quitter la scène un instant. Ah, oh, c'est...
faudrait que je le refasse. Écoutez donc la leçon du corps divin. Reste ancien. On va l'abandonner, ça va être. On va recommencer la quête, tout simplement. Ronce et touffeuse. Entendre rétablissement ou racine. Qu'est-ce que je veux? Ce travail n'en finit pas. Je veux celle-là ou je veux celle-là? Casse de peau d'écorce. Gaine de bastion indomptable. De l'orateur lumineux. On va prendre notre stock là. J'ai quasiment envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. De quoi je participe? C'est pas ce qu'il faut faire, mais on tue des affaires. Bon. Des zombies.
participé à ça ou... Ça t'y compté? C'est vrai, j'ai... Ouais, j'en ai fait un. Le dolmen... Ok, c'est ça. Je vais prendre mon stock, on va refaire le donjon, puis cette fois-ci on va le faire pour de vrai. Oh, on peut réparer le stock. C'est, oui, c'est vrai, c'est quelque chose que... Je faisais des aînés. Ok, on le refait. Les autres sont plus lents, j'aime bien ça. Vous vous êtes aventuré dans le mauvais vallon, mon ami. Le guérisseur! Comme...
Lui explore, j'aime ça. Tiens, tiens. Quelqu'un a réussi à éviter les gardes du Talmor. Justicia, nous avons. Je peux pas y parler. Je peux te parler là. Nous avons. Ce sont des nerfs. Ok. Ne ralentissez pas. Je refuse de subir l'humiliation de l'échec. Pas devant une haute chanoinesse. Éliminez les intrus. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nice. Premier boss. Halt! Vous n'irez pas plus loin. Tentez ça. Je pensais des orques. Je pensais que c'était des elfes. Ok, premier boss de mort. Non, c'est pas vrai, il est là. Où sont les autres? Sont-ils morts? Sur moi. Calice. Ok. On attend qu'eux autres détruisent.
et des plus étranges. Détruisons-le! La conception de cet hôtel suggère des sites rituels complémentaires. Je vous parie une tourte à l'anguille qu'il y en a d'autres. C'est quelque chose, ça. Ok, je pense que je vais rester avec eux autres. Ce serait logique. Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose ici. Mettez-y le feu! Aidez-moi! Et voilà. Oh, allô. Vous êtes tout le monde? Ils sont là, ok. Attendez-moi. Les boss sont longs dans ce donjon là, je sais pas si... J'ai hâte d'avoir un arc. Je peux te le dire tout de suite, je trouve que ce bâton de magie là, c'est de la merde. Ouais, faut détruire des fleurs. J'avais compris pourquoi il y a deux barres de vie. Oh. Tant que juste une a été suffisante. Et là, il faut pas faire la même erreur que tantôt. Là. Peut-être pour dire que c'est un boss, je sais pas. C'est quand même le fun, mais j'ai jamais trippé vraiment ces jeux comme World of Warcraft. Satisfaite de cette progression. Mais ça, je trouve ça vraiment je cool. Je reconnais, vous les orques, vous êtes doués pour creuser la terre. Soignez-moi! Par les flancs! Mettez-y le feu! Ok, on peut crever là. Ça.
Je pense qu'on a battu un boss dans le procès. Arme de Chéor, c'est un massacre. Bon travail. Si on veut faire un ragoût, il faut bien vider quelques poissons, pas vrai? Et maintenant, venez, détruisons cet hôtel. Ils vont péter l'hôtel. Il va y avoir un boss spécial, ça. Je ressens encore une forte présence magique. Il doit y avoir un autre hôtel. Merci. Rampefeuille, c'est un boss. Wow, le lag was real. Tabarnak, t'as vu le stock? En bleu. Grèce. Je sais pas si je voudrais faire un vampire. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Une elfe vampire, c'est honnête. Mon prince va venir, accompagné d'une armée qui mettra fin à cette guerre pour les Hathmer. Est-ce que vous voudriez que je fasse un vampire elfe? Bon, peux-tu comme détruire cet hôtel-là? Oranet a donc entièrement vendu son âme. Le Talmor en sera contrarié. Baccara, regardez. C'est ce que vous craignez. Le rituel est terminé. Vous voyez comme l'obscurité se concentre. Ce qu'Oranet a déchaîné pourrait être encore plus puissant qu'elle. Préparez-vous. Parlez à Baccara. Qu'est-ce que c'était? Tout le monde dehors! Oranet sera notre perte à tous! Maîtresse Baccara, que faites-vous? Nous devons partir. Non,
Vous devez partir. Prévenez la guilde. Prévenez Tamriel. Faites vite. Baccarat ne pourra pas tenir éternellement. Quelqu'un vient de m'aider. Suivez par l'anglais pour faire le creux des yeux. Je pensais pas que la journée se terminerait si mal. What the fuck? Qu'est-ce que c'est posé là? L'œuf soit loué. Vous vous en êtes tiré. Je crois que Dracien est parti. Qu'est-ce qu'il s'est passé là-dedans? Vous avez senti les tremblements. Vous avez vu les ténèbres s'élever depuis le sol. À vous de me dire ce que c'était. Ce que je sais, c'est que Baccarat a donné sa vie pour nous sauver. Ne gâchez pas son sacrifice. Dernier don de l'or. Oh. Je vais remonter à la surface prévenir la guilde des mages dès que j'aurai reçu. Je sais simplement que les ténèbres n'étaient pas d'origine nécromancienne. Et je ne me risquerai pas à y retourner pour les étudier davantage. Je respecterai la dernière requête de Baccarat. La guilde des mages doit être avertie. Ah, c'est bon. On peut foutre notre cœur. Nice! On a progressé un petit peu, je pense. Niveau 15, on a fait... J'étais niveau 12 avant le stream. On est rendu niveau 15. À bonne place. On va faire le level up. Changement d'arme. Vous pouvez à présent vous équiper d'une deuxième arme, appuyez sur Voltaire entre les deux armes. Ok, changement d'arme. Bâton infernal du prophète, épée longue, bouclier du prophète, arc du prophète. Je vais me prendre l'arc du prophète. J'ai 3 points à mettre. Je peux peut-être mettre des points en arc. Pour qu'on fait un bonus de dégâts jusqu'à 6% contre les ennemis à longue portée. Ça augmente votre chance de coup critique de 657. De dégâts physiques. C'est quoi? J'ai envie de la signer à la place des maudits scarabées. Arme main droite secondaire. Mettre le bâton de foot de Bastion en attendant. Okay, la tête maintenant. On n'a rien de nouveau pour le casque.
Poitrine, on n'a rien de nouveau pour la poitrine. Épaule. La coque d'épaule des peaux de peau. De, ben, oh. Coque d'épaule de peau d'écorce. Ajoute 269 vigueur maximale. Taille. Ceinture en culbute magique. Grève de bassin dentable. Ça en donne l'armure. Pied. Pote de la vipère. Pote de la vipère est pas mal mieux que ça. Pendentif de ronce. Augmente la magie maximale de 807. Ajoute 50 catégories de poissons. Ah! Ok. J'ai deux colliers là. Ok. Donc, prochain épisode, on va continuer le truc avec le madame, là. Ici, là. La générale. Puis, probablement, je pense qu'on a un donjon à chaque deux niveaux, c'est pas tu? Je viens de tomber niveau 15. Prochain... C'est niveau 16, ça va être égout d'Altevoix. Fait quand on va faire un niveau, on va pouvoir le faire. Pour l'instant, on va arrêter ça là. Je vous dis pika pika à tous et à la prochaine tout le monde. Je vais prendre une petite pause et je vais continuer à streamer quelque chose d'autre tantôt. On va changer de jeu. Donc, bye à tout le monde pour l'instant.